21h30, j'ai 1h30 pour une séance. Là, je vais faire les pecs, je vais faire que ça. Si tout va bien, si j'ai pas mal au coude comme la dernière fois, normalement c'est bon, je me suis bien reposé. On va envoyer, hein, on va envoyer. Je vais prendre un Energy Gel dès maintenant. Comme ça, je suis bien. Parce que je rends du taf, tu vois. Je suis KO. Et j'ai besoin de force. Petit rappel, Energy Gel, hein. Meilleur complément de MyProtein. Ok, parfait, je vais jeter ça là. Et je vais commencer à faire des élévations latérales, histoire de bien chauffer mes épaules avant de faire les pecs, parce que c'est très important. Il faut que mes épaules soient échauffées, sinon c'est mort. Douleur à l'épaule et tout, et j'ai pas envie, vraiment. Allez, c'est parti. Élévation latérale. J'ai pris 6 kilos. Je compte pas mes séries. Juste pour bien échauffer mes épaules, c'est tout. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à pas faire ce format-là pour ma chaîne secondaire, mais cette fois-ci on fait l'entraînement ensemble, tu vois. Il y a le format où on parle, on discute, on rigole après chaque série, et le format vraiment entraînement focus, mais plus pour la chaîne secondaire. Ça veut dire que si tu refais des entraînements avec moi, et ben tu auras un format adapté pour le faire avec moi, avec un temps de repos, avec tout. Ça peut être cool. Parce que dans cette salle, je suis venu un matin faire les jambes, sans jambes, avec toi en plus. Je t'ai filmé ma vidéo. Et franchement, il n'y avait personne. Et je me suis dit, on peut faire des entraînements ensemble dans cette salle-là. Si vraiment je viens le matin à 6h et tout, on peut faire des trucs cool. Donc je réfléchis à ça peut être intéressant. Aujourd'hui, je suis venu en marchant, il n'y avait plus de bus. C'est-à-dire que j'ai quitté le taf. Je suis rentré. J'ai mangé, j'ai fait mon sac. J'ai marché quoi? J'ai marché 25 minutes pour venir. Je fais ma séance et je vais marcher encore 25 minutes pour rentrer. C'est incroyable. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ouh. Là, il y a du monde vers les haltères. Je pense que je vais rester sur ce banc-là en attendant. Et on va commencer avec du développé couché, mais aux haltères, pas la barre. La barre, j'aime pas du tout. Pour ma part, je préfère travailler mes pectoraux aux haltères qu'à la barre. La barre, c'est bien, mais tu as plus de douleurs au niveau des coudes, au niveau des épaules, des douleurs tendineuses. Et pour moi, c'est pas adapté. Si tu veux vraiment développer tes pecs en termes de volume et tout, haltère, c'est mieux. Tu as plus d'amplitude, tu es bien, tu ressens mieux tes pecs, tu as un meilleur ressenti. Je préfère, clairement, je préfère la barre, je préfère laisser ça à ceux qui vont faire de la force. Allez, comment j'ai pris les 22. J'essaie de faire 12 reps tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, pas mal au poignet, une légère petite gêne, mais ça va. Ça va. On va pouvoir monter. Là, j'ai ramené les 32 kilos. Normalement, ça devrait passer. Le truc, c'est qu'il y a le banc, je mets d'habitude, il est libre. Mais il y a des gens, en fait, ils prennent des bancs pour des porte-manteaux, tu vois. Ils mettent leurs vêtements et ils sont ailleurs. Du coup, là, je suis en ma série et je vais virer des gens. Non, je prends soit je suis cool. Je vais chercher le mec, je lui dis écoute, retire ton truc, il va le retirer. Soit je prends ses affaires, je me sens en autre banc et je travaille. Je pense que je vais faire ça. Mais d'abord, j'ai envoyé les 32. Comme ça, je suis bien. Parce que le problème, c'est que je ne me vois pas marcher de là-bas à ici, et ramener les 40 kilos et peut-être les 50. Même si que je pensais que tu as 50. Parce que j'ai quand même une petite gêne au niveau du coude. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais normalement, ça va passer. On va faire 8 reps tranquillement là. Et puis voilà. Aussi une chose, au-dessus de moi, il y a des LED. Tu vois la barre au-dessus de moi là, la barre à LED. Et ben quand je fais mon développé couché, je suis vraiment juste en dessous de cette barre. Et ça c'est dommage. C'est que développé couché, tu vois, j'ai la barre dans les yeux et ça me gêne énormément. La barre à LED. Du coup, ça m'éblouit de fou et c'est compliqué.
Je crois que j'aime bien avoir les yeux ouverts quand je fais mes mouvements. En général, c'est mieux. Allez, 32, on fait ça bien. C'est rien. Ok. Ouais. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est bon, on va prendre les 50, c'est bon. On va prendre les 50, je pense. Ah, oh, ça fait longtemps, ça m'a manqué. Ça m'a manqué pour de vrai. Là, tu vois, là, j'ai encore. Je vois des étoiles encore là, à cause de la lumière. J'ai déplacé mon matériel et je vais là-bas tranquillement. S'ils n'utilisent pas le banc, et là, a priori, ils sont ailleurs. Je fais ça bien. Allez. Bon, c'est bon, j'ai mon banc, tu sais bien passer. Là, j'ai ramené les 44 kilos. Je vais commencer ma première série comme ça. J'essaie de faire une série à 44 et deux séries à 50 kilos tranquillement. Aujourd'hui, on va rester cool. Rester dans des charges convenables. J'essaie de faire un mouvement propre, histoire de bien tuer mes pecs, hein, parce que c'est ça qu'il faut. On va monter à 10 répétitions pour 44 et 8 répétitions pour les 50. Et puis voilà. Repos, on sera dans les 2 minutes 33 minutes. Parce que voilà, je crois du taf, je viens de travailler, je suis fatigué. Mon corps a besoin d'un peu plus de temps de repos. De quoi faire ça bien. Allez, 44. Et au moins 10 reps pour celle-ci. Au moins 10. Et si je sais que j'aime bien m'économiser, faire 8 reps, au moins on en fait 10. Allez, comment? 1, 2, 3, 4, 5, comment? 6, 7, 8, 9, ok, 10. Je vais poser ça et préparer les 50. On va essayer d'envoyer les 50 tranquillement, faire ça bien. Je retire le haut. D'ailleurs, le t-shirt, nouveau t-shirt de la gamme MyProtein, hein, avec le nouveau logo. Il sert bien, c'est vraiment un t-shirt fait pour le sport. Fait pour quand t'es balèze, ça te serre les bras, ça c'est bien. Allez, je mets juste mon casque à côté parce que je sais que quand je finis mes séries, mes haltères, je les balance parfois. Tout dépend de mon humeur et mon mood. Mais au moins, je peux rentrer de la musique, ça c'est bien. Allez. Putain, j'arrive même pas à prendre le deuxième. Je sens que c'est lourd. Hein. Je sens que c'est lourd. Deux semaines sans soulever lourd. Franchement, c'est compliqué. Hein. Mais là, vu que j'ai un an de plus, normalement, j'ai plus de force. Allez. Fais ça bien. Fais ça bien. Mets de l'énergie, mets de la force et les 50. Normalement, tu les manges normalement. Tu les manges et tu vas les manger encore. Allez. Allez, ok. 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7, 8, oh, putain, c'était dur, oh, c'était dur. Ah, c'était dur. C'est pas normal que ce soit dur. C'était vraiment dur. Ah, franchement, c'est dur, les gars. C'est dur. Ça m'a fait mal. Déjà, la première série, tu vois, j'ai perdu un peu l'équilibre. Je suis parti un peu vers la gauche. Ouais, je suis parti un peu vers la gauche. Emporté par le poids. Moi, emporté par des 50. C'est une dinguerie. Et mes séries, j'ai senti que c'était dur. Tu vois, fallait vraiment que je m'énerve un peu intérieurement pour bien faire ma série. Alors que normalement, j'ai pas besoin de faire tout ça, tu vois.
Pas besoin de m'énerver, pas besoin de mettre un peu plus de force. Là, ça se voit que je suis fatigué, ça se voit que je suis KO, ça se voit que c'est compliqué. Mais il faut que je valide ma séance, il faut que je fasse ces choses bien. Ok, c'est important, sachant que là, c'est juste du lourd. Il n'y a pas de tempo, il n'y a rien qui est censé me fatiguer normalement dans cette séance. Mais je sens que c'est dur, je sens que c'est une journée où mon corps il me dit, t'es fatigué, t'es en week-end, repose-toi et tout. Mais on a une mission. Notre mission, c'est de faire les choses bien parce que c'est important. Okay? Donc, je continue à me reposer tranquillement et j'ai encore envoyé une dernière à 50. Et là, cette fois-ci, il faut que ce soit meilleur que tout à l'heure. Ok? Il faut que ce soit meilleur. Comme les jambes, tu vois. On avait échoué à 80 kilos. Après, on a monté un peu. On a fait ça bien. Mais on va l'assumer. 50, il faut que je fasse les choses bien. Il faut que je la soulève. C'est important. Normalement, le fait de soulever lourd, ça réveille mon corps, tu vois. Ça réveille mon corps, mais là, ça ne le réveille pas du tout. C'est rare que ça m'arrive. Très rare. Que je rentre dans ma séance, je lève du lourd, c'est bien, mais mon corps, il veut pas. Je vais forcer les portes. On va forcer les portes. Allez. Honnêtement, je sais pas si je pourrais faire 8 reps. Mais je mets toute ma concentration, tout mon focus dans cette série. Tout mon focus. C'est de pas me cramer. Et si je me crame, c'est pas grave. Je fais ça bien. Comment? Hey. Allez. Ok. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, ok. Oh. Ah. J'ai mis l'impulsion. Quand je mets l'impulsion, je le soulève, mais c'est plus facile. L'impulsion, c'est quand tu mets un peu de rythme, quand tu pousses un peu, tu avec tes bras, tu forces ta série, ça passe. Tu vois, ça passe. Mais je suis content, mais je suis pas content à la fois parce que c'est dur et ça m'a fait mal. Ça m'a fatigué. Alors que de base, ça me fatigue pas, ça. Vraiment. Ma gourde, elle est là. Parfait. Je bois. Et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième série, développé couché en prise neutre. J'ai pris les 30 kilos, hein, après les 50. Là, je suis pas une forme d'assumer les 50 en neutre. Donc, on va prendre les 30. On va faire un reste pause de 2 secondes. 2 secondes en bas. On fait notre série. On va envoyer 8 reps. Tranquillement. 3 fois 8 reps. Et puis, on sera bien. Développé couché en prise neutre. J'aime beaucoup cet exo. Vraiment. Hop. Allez. 32 kilos. Allez. On y va. Hop. 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 Allez. Ah. 1, 2, 2, 1, 2, non, je suis à 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, allez, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, c'est parfait pour moi, c'est parce que ça me fait mal, ça me fait vraiment mal, vraiment. Oh. Fallait casser ma caméra, incroyable, avec le poids de 32, enfin fallait casser le trépied, et ça va à la télé. C'est fou que le temps de repos il me fasse rien du tout. Le temps de repos il me fatigue encore plus. Deuxième, je sais pas si j'aurais ça à faire 8, mais je vais me battre pour en faire 8. C'est plus important. Ça pour te montrer qu'il y a des séances aussi où t'es pas à fond.
descends sur ta malle, t'es pas à fond et c'est normal. Il faut quand même s'entraîner. Parce que même si la séance elle est nulle, la séance est faite et validée quand même. Allez! Ok, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit. Wow. J'ai mal. Franchement, si le poids me fait chuchoter pour dire le nombre, c'est que ça fait mal. C'est incroyable. Il me reste une dernière. Là, je fais un tour dans la salle, je vais marcher et après, on valide la dernière. Ça tue, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. On va se faire 4 exercices, je pense, en tout. Hein. Vraiment. Hein. Parce que 21h11, c'est chaud. C'est vraiment chaud. 32, dernière. Fais ça bien. On envoie. J'ai un bon bras, un bon triceps. Ça, c'est bien. Allez. Énerve-toi. Énerve-toi. C'est rien. Tu valides. Tu valides. Un. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. Six. Une. Deux. Sept. Une. Deux. Huit. Wow. J'ai mal, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Oh. Ouh. Oh. Troisième exercice. On va se faire un truc que je faisais avant. On va prendre peut-être 20 kilos. 20 kilos, t'aimes pas, ça va être trop lourd ou pas. On va se faire 10 demi-reps en développé couché. Et juste après, 10 reps complètes. Donc, 10 demi-reps et 10 reps complètes. Ça va faire 20 reps en tout, mais ça va faire mal, ça va faire du bien. Allez. C'est fou comment je suis fatigué, mais quand je me vois au miroir, j'ai une bonne condition. Du moins, je suis fier de ma condition, je suis content, je suis fier de moi, même si je suis fatigué, je suis KO. Et ça, c'est bien, ça. C'est bien. Parce que même si tu es KO et tu vas à la salle, tu progresses. La salle, c'est pas toujours se sentir bien, hein. C'est pas toujours faire des séances où tu es à fond, ok? Allez, on va essayer avec les 20 kilos pour voir si je tiens ou pas. Comme on a dit, on essaie de faire 10-10. 10 demi-reps, 10 reps complets. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ça fait mal. Ça fait mal au pec. Ça fait mal. Mais j'aime bien. Franchement, c'est du bien. 20 kilos, c'est parfait. Vraiment. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. J'ai mal, hein. J'ai mal. C'est compliqué. Je suis fatigué. Mais j'envoie. J'envoie des séries. Si je vais pas au bout, c'est pas grave. Je baisse les charges. Là, pour l'instant, ça va, tu vois. Mais le but, c'est de faire les choses quoi qu'il arrive. Même si t'as mal, même si t'es triste, même si que envoie, d'accord, envoie. Là t'as la salle. C'est moi, tu vois, moi c'est mon sanctuaire. C'est là où je me dis, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus rien. La seule règle qui est là, c'est de voir en avoir une, c'est que j'envoie, je fais les choses bien parce que c'est important.
et faire les choses bien, ça allait au bout de ses limites, tu vois. Et ces limites, eh ben, elles sont différentes chaque jour. Quand tu travailles, ça va pas être les mêmes limites que tu as ou si tu travailles pas. Quand j'allais toujours à la salle, tu vois, et que je bossais pas parce que j'étais en congé et tout, j'étais différent. Là, je travaille, je suis fatigué, j'ai des responsabilités qui sont différentes, mais c'est pas grave, j'envoie. Parce que c'est important, faut envoyer, les gars. Faut envoyer. C'est vraiment important, c'est la règle, faut envoyer. Allez, come on, 20 kilos, c'est rien. C'est léger normalement. C'est léger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complet. 1, 2, 3, 4, allez, 5, comment, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. C'est validé. Oh. Ma gourde, c'est important. Oh. Allez, dernière. En ce moment, je suis beaucoup en 3 séries. Au lieu de mettre 4 séries, ça me permet de 1, économiser mes forces pour faire de meilleures séances. Mais aussi, toi qui regardes la vidéo, ça va permettre d'être plus agréable. Parce que si tu fais 4 séries à la fois, ça peut être relou, tu vois. Même si que dans ce bulk day, on a 100 épisodes et forcément, il y aura des jours à faire 4 séries. Mais là, pour l'instant, là, 3 séries, on est bon. Normalement, après ça, j'ai de l'écarté couché à l'incliné et je suis bien. Je vais essayer de faire ça bien. Ou l'écarté, j'essaie de le faire en 2 fois, je vois. Parce que 22h20, ça va très très vite. Très très vite. Et on va peut-être faire un supplément au triceps si tout va bien. Allez, on envoie les 20. Hey. Petit temps de repos. Et mon corps il commence à se réveiller. C'est bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, complète. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wow. Ah, wow. Mais bref, congestion dans le mouvement, c'est une dinguerie, mais je sens bien mes pecs aussi. Oh. On va incliner le banc et faire de l'écarté à l'incliné. Allez, prendre plus bas aussi parce que 20 kilos, je vais mourir. Pour gagner du temps, je vais faire 3 fois 15 répétitions, sans tempo, sans rien. Mais à la fin de chaque série, je pose les haltères, je compte 10 secondes et je repars. Ça va faire mal. À partir de la deuxième, je pense que je vais la sentir. Mais au moins, je gagnerai un peu de temps. Et je pourrais faire un exotriceps et m'enfuir. Parce que là, je suis fatigué. Je le sens, mais j'aurais validé ma séance. J'aurais validé une petite séance. Au moins près des 50, ça fait du bien. Mais valider ma séance. Hop, 14 kilos. Ça va. Ni trop lourd, ni trop léger. J'ai incliné le banc. J'ai une meilleure sensation à l'écarter incliné halter. Et on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Comment ? Huit. C'est rien. Neuf. Dix. Onze.
12, 13, allez, 14, 15. Ça va me faire mal, je le sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 15. J'ai mal, mais ça va le faire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, énerve-toi, 3, 2, 1, énerve-toi, allez, c'est rien ça. Hey. Une, comment? 2, ouais. 3, ouais. 4, allez. 5, comment? 6, ouais. 7, allez. 8, 9, 10, allez. 11, 12, ouais. 13, ouais. 14, 15. Wow, c'est bon. Je suis off. Ça fait mal, mais j'ai l'impression que faire des séries comme ça avec un corps endormi, bah ça le réveille, parce que là ça m'a mis un petit coup de boost là. Et je suis content. Franchement, je suis content. Après, on va pas se mentir, j'ai une capacité à me battre, à me dire vas-y, on y va. J'ai une capacité à trouver de l'énergie qui est en moi. C'est incroyable. Et franchement, c'est venu avec le sport, c'est venu avec la musculation, ça. C'est venu en se faisant mal. Et je pense qu'on peut tous être comme ça, on peut tous avoir la capacité d'aller chercher, d'aller puiser dans l'énergie qui nous reste. Pour faire les choses bien, valider des séances, c'est important. Et je vais voir si je trouve une poulie là, une poulie cool, et pour faire les triceps, soit biceps, mais non, j'ai pas envie. Biceps, franchement, j'ai pas envie. Sachant que demain, je vais peut-être à la salle plus triceps. On verra. Allez. Pas mettre très lourd. Commencer aux spinations. 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. 15. Je suis bien. Et je me sens bien. On va en faire deux comme ça. On va en faire deux comme ça, on sera bien. Juste monter un peu le poids, là, j'étais à 12,5. Mais comme c'est une poulie qui est différente des autres, et ben les 12,5, le ressenti, c'est 20 kilos. Trop bizarre. Allez, derrière. Spination.
Je vais essayer de faire 20-20 là. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. 18, 19, 20. Wow. Allez, comment? Pronation. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça me brûle. Allez. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oh. Oh. Wow. Je suis mort, je suis KO. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette séance. Les respect de temps là, les respect de temps. Et je souffle un peu, laisse le temps de récupérer. Merci d'avoir suivi ce programme. N'oublie pas de mettre un j'aime, un commentaire, t'abonner à la chaîne parce que c'est important. Et on se retrouve dans une autre séance en immersion. Oh. Je suis mort.